Je suis Mimoudia Leïdimène, je suis écrivain panafricaniste. Le livre Nos larmes noires est écrit à la suite d'un cri de cœur à travers les conflits interethniques qui ont existé entre les Peuls du Mali et les Dogons du Mali. Donc c'est un cri de cœur qui explique en vérité les différents enjeux qui sont liés aux problèmes interethniques en Afrique, le népotisme, l'organisation sociétale de nos pays. Et il traite également de l'avènement de l'islam dans nos pays jusqu'à aujourd'hui. Mais également, ça parle des grands résistants sénégalais comme Cheikh Omar Fito Tall, Ousmane Danfodio et tant d'autres. Et ça explique aussi les relations qui ont toujours existé entre les Peuls et les Dogons, donc, qui ont vécu depuis des millénaires, et que subitement une guerre éclate entre ces deux peuples-là. Et ça parle également du racisme que les Noirs subissent et aussi proposer des pistes de solutions à travers ce livre-là. Dire que le racisme existe, mais pour le combattre, il faudra acquérir le développement parce que les Chinois ont subi du racisme, étant d'autres pays, mais ils ont acquis le développement et ça a été combattu.